Avenir des Cités est un service de prévention spécialisé qui intervient sur les communes de Arnes, Billy-Montigny et Salomine. Donc à l'occasion de cette épidémie du Covid-19, nous sommes mobilisés sur la lutte contre les décrochages scolaires. En partenariat avec le collège de la ville de Arnes, nous avons identifié des besoins auprès des familles qui ne disposent pas d'ordinateur à la maison. Donc bien évidemment, nous avons lancé un appel aux dons, mais avant on a montré l'exemple. Les ordinateurs qui étaient dans notre local, nous les avons mis à disposition des familles pour leur permettre de poursuivre la pédagogie à distance et de pouvoir assurer une continuité pédagogique. Téléphone, donc si j'ai bien compris, il n'y a pas d'ordinateur à la maison. Non. Et vous avez beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Et comment vous faites alors? Comment vous organisez, madame Juliane? Alors, c'est chacun leur tour en fait. C'est une journée, ça peut être Sean, une journée, c'est Juliane, et une journée, mon plus grand. Ça dépend la quantité de devoirs qu'il y a à faire. Et pour l'instant, celui qui dépasse le summum, on va dire, c'est Sean. Par semaine, je suis à 39 fiches de leçons et de devoirs en fait à photocopier, à imprimer, et l'aider surtout. Sauf qu'au bout d'un moment, forcément, il baisse les bras. D'accord. Donc nous, on est contents aujourd'hui de vous mettre à disposition un ordinateur qui va vous permettre, Juliane, finalement, de continuer à faire les devoirs. Plus sur le téléphone, parce qu'après, les yeux, ça fatigue. Et du coup, vous allez avoir un écran à la maison. D'accord? Et c'est l'association Avenir des Cités qui le met à disposition, en fait, des habitants. Voilà. Par chance. Par chance. Ouais, bonjour, Issam. Bonjour. Ça va? Ça se passe bien, le confinement? Ça va. C'est pas trop dur? Un petit peu. Voilà. Je voulais juste savoir, comment tu fais tes devoirs actuellement, du coup? J'utilise mon téléphone portable. Le téléphone portable? D'accord. Ouais. Donc, en fait, il n'y avait pas d'ordinateur? Non. Et c'est pas trop dur avec le téléphone portable? Si, un peu. Qu'est-ce qui est difficile en fait? C'est les fichiers, quand on nous envoie des fichiers. D'accord. Donc là on va vous mettre à disposition donc un ordinateur. Et puis fais-en bon usage. S'il y a les moindres difficultés, n'hésite pas à contacter Myriam, d'accord? Pour imprimer des devoirs, pour imprimer du travail, Myriam elle pourra le faire. D'accord, Issam? Ouais, merci, Issam.